Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur comment débloquer le pouvoir de tornade qui s'intitule tout simplement Puissance de la tempête. Alors déjà les gars, première étape, équipez-vous du skin tornade. Ensuite, pour avoir les défis de l'éveil pour débloquer le pouvoir, il faut être palier 60 juste ici. Et ensuite, on a tout simplement, comme d'habitude, trois étapes de défis. Et pour la première étape, on nous demande tout simplement de visiter la station météo en tant que tornade. Du coup les gars, c'est parti. Ok, du coup les gars, pour la première étape de ce défi, on nous demande tout simplement de visiter une station de radio en tant que tornade. Donc dans quelques minutes, je vais vous montrer tout simplement où ça se situe. Donc là on atterrit, on voit en haut à gauche que du coup j'ai bien activé le défi. La station de météo les gars se situe juste ici en G7 sur la montagne. Prenez un point de repère, Cathy Corner est juste au sud, vous avez une petite montagne. Et ici, très exactement juste ici, vous avez tout simplement la station de radio. Du coup les gars c'est parti, on passe à la deuxième étape du défi. Pour la deuxième étape du défi de l'éveil de tornade, on nous demande tout simplement de planer au-dessus des réacteurs de Steamstack dans la tempête en tant que tornade. Du coup les gars, pour réaliser ce défi, on nous demande tout simplement de planer au-dessus d'un directeur de Steamstack, tout simplement pour valider le défi. Les réacteurs les gars, je vous montre sur la map, ils se situent tout simplement en G2 H2, vous devez tout simplement attendre que la tempête arrive, vous touche, vous inflige quelques dégâts et le défi se validera. Du coup les gars, on passe à la troisième et dernière étape pour débloquer tout simplement le pouvoir. Pour la dernière étape des défis de l'éveil de tornade les gars, on nous demande tout simplement d'utiliser une émote au centre de l'œil de la tempête en tant que tornade afin de débloquer tout simplement son pouvoir. Du coup les gars, pour réaliser ce défi plus facilement, je vous conseille d'aller en Ford en point tout simplement parce que la zone rétrécit beaucoup plus rapidement et je vous le rappelle, le défi nous demande tout simplement de nous rendre au centre de l'œil de la tempête en tant que tornade. Ensuite vous attendez tout simplement que la zone apparaisse comme ici, vous visez tout simplement le centre, donc pour ma part ça sera approximativement à peu près ici. Ensuite les gars, pour savoir si vous êtes au bon endroit, tout simplement le centre de l'œil de la tempête vous sera indiqué comme ceci, vous aurez tout simplement ce petit logo avec un éclair, donc là on voit bien que je suis au centre. Vous allez juste ici exactement là où vous avez cette petite émoticône qui vous indique que vous êtes au centre de la zone, vous faites puissance de la tempête et là tout simplement vous débloquez le pouvoir de tornade les gars. Et comme pour pratiquement tous les héros, vous pouvez désactiver ou activer son pouvoir à volonté, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez la cape, vous activez le pouvoir, si vous ne la voulez plus, vous la désactivez. Pour ma part, je la trouve vraiment mieux avec. Sur ce les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.